Ayan guys, pupunta kami sa Kingdom of Sharks. Up! Donc oui, notre température à nous c'est 37,2 en moyenne, et le requin, lui, sa température, elle varie tout le temps puisqu'elle s'adapte à la température de l'eau dans laquelle il se trouve. Donc ici, le bassin étant à 24,5 degrés, les requins sont également à 24,5 degrés. En fait, on dit qu'ils sont ectothermes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, où est-ce qu'ils respirent, les requins? Déjà, ils respirent sous l'eau. Grâce, alors, trois ventricules, aux branchies. Alors, les branchies, c'est les petites fentes qu'on voit de chaque côté du museau. Ayan na oh. Ah, c'est bon. C'est plus chéri. Coucou. Ouais. Coucou. C'est pas grave.
pupunta po kami sa aquarium dito sa Maryland. Maryland. Oh, pero magtubugong daw muna sila. Oh, bilisan nyo ha, maraming ganito sa Paris. Doon na lang tayo. Ayan guys, dito sila enjoy
sa basa-basa na ganyan. Tapos na kami manood. Ayan na, si Buknoy. Buknoy! Hindi kami nakaready na ganito. Meron palang ganito dito. Yung mga show lang ang pinuntahan namin dito eh. Ayan, nag-brief lang sila. Wala na. Uuwi sila nang walang brief. Okay guys. Okay guys, tapos na ang aming pasyal dito sa Marineland Antibes. Dito rin, malapit ng Punta Sanis. 20 kilometers lang yata. Ayan, babasahan na lang sila. Then uwi na kami. Or mamaya, pupunta kami sa beach. Sarap lang namin. Doon na kami mag-dinner. Subukan nating i-catch ang sunset. Ayun eh. Tama ba yung word na yun? Bago mag-9, dapat andun tayo. 9:09 p.m. yung sunset. Okay guys, sana nag-enjoy kayo dito sa aming marine land experience na aming i-share. Okay, thank you. Bye-bye. Peace.